Bonsoir à toutes et à tous, excellente année 2020. Je suis ravie de vous accueillir dans votre nouvelle émission de divertissement, de variété, de musique, playlist. Playlist est également des invités et je suis ravie d'accueillir parmi nous le groupe Zeyej, les deux membres fondateurs, Hakim Lajel et Hichem Daou. Bonsoir messieurs. Bonsoir Mounir. Bonsoir Hichem, bonsoir Hakim. Bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir pour inaugurer ce plateau. L'émission Playlist. C'est une chance pour nous. Hein. Je suis ravie. Et voilà. C'est ma chance à moi aujourd'hui de recevoir. C'est une première. C'est bien. Alors, racontez-moi tout. Vous avez soufflé votre 20e bougie. Oui. 20 ans d'existence. 20 ans d'existence. Ouais. Un groupe mythique. Mythique, bon. Mythique, mais 20 ans, il faut tenir pendant 20 ans. Voilà, justement, on a bien tenu durant 20 ans, c'est déjà un acquis. Alors, quel est le secret? Le secret, c'est la passion, c'est l'amour de la musique. On aime ce qu'on fait. Hein. Voilà. L'amour du rock. Tout simplement. Tout simplement. Rock progressive. On fait du rock pop, rock progressif. On fait beaucoup de rencontres avec d'autres musiciens. Ouais. C'est ça, le partage. C'est tout ça, hein. C'est plus la passion qu'autre chose. D'accord, 20 ans. Vous allez célébrer comment? Oh, ça, il faut célébrer parce qu'on a connu beaucoup de gens, on veut faire participer tout le monde. Ça, il faut qu'il... Déjà les 10 ans, on a fait, il y avait un grand spectacle. Vous l'aviez célébré effectivement. Voilà, 20 ans. Avec une très belle affiche. Voilà, 20 ans aussi, on aimerait bien fêter ça avec les amis, avec tous les musiciens avec qui on a partagé la scène, on a fait des duos, des rencontres humaines et artistiques. Tout le monde sera là donc. Oui, déjà avec la sortie d'album, c'est ça, voilà. C'est le avec la sortie d'album, mais bon. Alors, moi, ce que je vous propose tout de suite, mes amis, c'est de voir le sommaire de l'émission de Playlist. On y va? On y va. On regarde le sommaire. Au sommaire de l'émission de ce soir, la playlist des téléspectateurs avec 3 titres sur 5 pour lesquels vous pouvez voter dès maintenant sur notre page Facebook de l'émission Playlist. On commence avec le premier titre, celui de Yuba Ajrad. Deuxième titre de notre playlist. Et enfin, on termine avec Jam et Jbara dans Passer les frontières. Dans Playlist également, la playlist de la nostalgie dans notre émission ce soir avec un retour sur 3 titres de Cheb Anouar. Et enfin, notre coup de cœur. Donc voilà, c'était le sommaire de l'émission, Hakim Lajel. On revient un peu en arrière. Ah oui, j'aimerais bien. On remonte à 98, vos débuts. Au début des 98, oui. C'était nos débuts. C'est... Votre premier concert. Premier concert, c'est... 99, septembre. Non, 98, les Beaux-Arts. Les Beaux-Arts. Mm-hmm. C'était les Beaux-Arts. Très belle expérience, et de là, l'aventure commence. C'est une première. La première fois, on monte sur scène pour chanter nos chansons, avec des groupes qui, sur scène, plutôt ils étaient tous, c'était un métal. Mm-hmm. Nous, on est venus chanter en arabe, eux, ils chantaient tous en anglais. Et c'est à partir de là qu'on s'est fait exister, on s'est imposé sur scène, voilà. Les gens ont été impressionnés, Hichem, par ça. Enfin, oui. Chanter en arabe, du rock en arabe, on n'a pas l'habitude. C'était un peu bizarre pour les gens, les métalleux et tous les rockers. Mais par la suite, c'est devenu carrément une mode, c'est de chanter en arabe. Ça veut dire qu'on peut chanter, mm-hmm. non, beaucoup plus algérien. Chanter algérien,
dans tous les styles, dans tous les modes. Bon, on n'a rien inventé, il y avait d'autres avant nous, il y avait Renjar, il y avait T34. Mais après, il y a eu une coupure. Vos influences ? Vos influences ici. Pink Floyd ? Bah oui, ah oui, c'est l'école. Par excellence. Par excellence. Ouais. Par excellence, Pink Floyd, bah, c'est... Alors, dites-moi, parlez-moi un peu de cette période, un concert exceptionnel, Olympia. Ah. Oui, l'Olympia. Enfin, il y a plein d'histoires. Voilà, d'ailleurs... Parmi elles, l'Olympia, c'est exceptionnel. Enfin, on a cru qu'on était à l'Olympia pendant qu'on était sur scène. Genre, au début, on n'avait pas... On n'y croit pas. On n'y croit pas. On était sur... Parce que la salle mythique, bon, Hakim, il peut raconter l'anecdote la veille de l'événement. Mm-hmm. En fait, j'étais un peu stressé parce qu'on est rentré voir, faire la salle, voir la salle, comment elle est, l'Olympia. Là, ça a commencé, je commençais à stresser. Bah, j'ai dit, les jeunes, moi, je rentre dans la chambre. Je vais me reposer, me relaxer pour demain. J'ai mis la télé et je vois M. Rod Stewart. C'est bien, moi j'aime bien. Alors il racontait son histoire. Batralolo, quel est ton rêve le plus cher à toi? Comme c'est de chanter à l'Olympia. Et pour faire le groupe Zé, l'a fait, voilà, chanter à l'Olympia. Voilà. Donc, c'était la veille de notre passage. Je serai cinq années plus. Très, très exceptionnel. Votre premier album, Sarah, oui. Sarah 2002. Mm-hmm. Voilà, l'enregistrement a commencé en 98. D'ailleurs, l'aventure Zé a commencé à travers à Sarah. De là. Voilà. D'accord, Sarah, prénom de fille, de femme? En fait, non. C'est un prénom de femme, c'est sûr. Mais en fait, c'est un prénom de tolérance, utilisé chez trois religions. Voilà, beaucoup plus une symbolique. Voilà, une symbolique. Vous êtes toujours dans la symbolique, groupe Zegel. On veut lancer plus. Même votre logo est spécial. Oui, le logo. Oui, il est... le logo aussi. Zegel, c'est la première femme martyre. Voilà, Chaïb Zegel. Voilà, de Sogaras. Très bien travaillé, le logo. Magnifique. Oui, oui, le logo, oui. Il est travaillé par le bassiste du groupe. D'accord. On essaie d'être... créatif, complémentaire. Voilà, exactement. En même temps, exactement. À chacun son rôle dans oui, l'équipe. Oui, lui, il est infographe. Hakim, il est dans l'événementiel. Moi, je suis dans l'audiovisuel. Effectivement, étant donné que tu travailles. Vous travaillez également, Hichem Daou, à la télévision algérienne, vous êtes notre collègue. Vous faites, Hassan, c'est un batteur pro, un musicien de session. Session. Il travaille avec tout le monde. L'histoire du musicien de session, on en parlait avant avec Redo, l'équipe. Redouane, on parlait comment faire évoluer la scène artistique algérienne. C'est-à-dire, le plus important pour évoluer, c'est la formation, mm-hmm. former des gens, des petits mm-hmm. jeunes, donner la chance à tout le monde et participer dans plusieurs projets. En même temps ? Oui. Donner ça. Et donc, c'est à partir de là que ça a créé le musicien de session. Il n'y avait pas cette culture, parce que le musicien de session, c'est des professionnels qui travaillent beaucoup plus dans des studios, et donc par rapport à l'exécution. Mm-hmm. Donc il y a une rigueur, une manière de pratiquer très très méticuleuse, et à partir de là, il y a toute une vague de jeunes, comme on peut citer Slohan Derido, Nazim Kri, Aminos, Hassan aussi fait partie, Najib Gamoura, et plein d'autres. Dada, donc cette culture carrément a pris de l'ampleur dans le côté artistique des jeunes Algériens. Et du coup, le niveau en matière de son et d'exécution a commencé à s'améliorer. On voit le résultat maintenant quand on effectivement. On va Papillon, on va quand même. Donc nos orchestres pilotes peuvent accompagner. Bon, avant il y avait ça, peuvent accompagner des stars qui viennent de l'international. Sans problème. C'est-à-dire qu'ils ont le niveau aujourd'hui. Oui, parce qu'en plus c'est des lecteurs, c'est des musiciens qui peuvent lire le solfège en même temps, qui sont à la page en matière de son, matière aussi d'instruments. De technologie aussi. De technologie. D'avancer. Exactement. Oui. D'accord. Alors le groupe Zayel. Hadi Hkaya. Dernier single. Très apprécié. Moi, j'adore, c'est une des chansons préférées d'Hadi Ali. Un nouveau clip ? Oui, prochainement, il y aura, c'est sûr. Ça non, Hadi Hkaya, c'est un clip. C'est un nouveau clip, oui. C'est un clip, oui. Rock FM, la chanson, elle apparaîtra dans le nouvel album de Zahir. En plus, c'est le coup de cœur de Zahir, de Hakim et de moi, parce que l'écriture, c'est une collaboration. On va et revenir la composition là-dessus, mais avant cela, je vous propose de regarder le clip.
Alors, c'est quoi l'histoire, mes amis? Alors, on commence par Hakim Lajel, l'écriture. L'écriture, bon, ça a commencé sur une déception d'amour, non? Une perte de quelqu'un très cher qu'on veut revoir, en même temps, on veut s'éloigner. D'accord, c'est un peu compliqué. Hein, c'est un peu compliqué. C'est la psychologie qu'on fait. Les deux, donc, quand on a commencé à écrire, bon. Alors, ça se passe comment? On compose d'abord la musique, on écrit après? La musique, après, tout d'abord. On écrit la musique. Après, on fait du yaourt. On fait du yaourt, voilà, le yaourt, fameux yaourt. Alors, c'est quoi le yaourt? Le yaourt, c'est-à-dire... Prendre la base, le refrain, quoi. Dans la ligne de chant. Après, à partir de là, qu'on commence à écrire le texte pour rentrer dans la ligne de chant. Alors, qui commence à écrire? Hakim ou Hichem? Ça dépend. Des fois, lui, il commence à mettre les premiers mots, des fois, c'est moi. Moi, j'ai un problème avec le premier mot. Après, okay. Et je ne peux pas sortir à la fin. C'est la feuille blanche qui arrive là, comme ça, c'est non. Enfin, une feuille, il y a plein de... On coche les mots, élimine des expressions. Des fois, même en studio, pendant l'enregistrement, on change de mots. Allez. L'essentiel, c'est que vous êtes d'accord sur le thème. Oui. Sur l'histoire. Bon, non, le thème, on est d'accord. On n'est pas d'accord sur d'autres mots. Après, on essaie de chercher des mots simples, enfin, qui correspondent à l'écoute de notre société. D'accord. On veut chanter algérien. On veut donner une identité propre de chez nous. Alors, le rock, c'est automatiquement quand on prend n'importe quel texte et on le met à l'intérieur d'une musique rock, donc il devient automatiquement. Mm-hmm. Actuellement, on chante le rock avec toutes les langues. En libanais, en égyptien, voilà. c'est le mode rock qui mode les paroles. Il n'y a plus de barrières. Plus, c'est un état d'esprit, le rock. C'est un état d'esprit. Oui. On reste jeune, on reste dans le, non, dans le move rock. Quelque chose, une vision comme ça, je ne sais pas. Alors, quelle est la vision de Hakim Lajel? C'est-à-dire, pour moi, le rock. Oui. Le rock, c'est quelque chose de revendication, c'est quelque chose de s'exprimer. N'oubliez pas qu'avec le rock, on a fait Woodstock. Pour libérer le Vietnam. Avec le rock, on a fait l'Éthiopie pour Live Aid. Avec le rock, ils ont fait libérer Nelson Mandela. Donc tout ça, c'est impressionnant de dire c'est une musique rebelle quand même, c'est une musique très, très, rebelle. Très rebelle. Même dans les temps modernes, ça ne reste pas vraiment une tendance. Il y a même même Roger Waters des Pink Floyd qui incite les chanteurs à boycotter le racisme de l'État d'Israël. Des messages. Le rock, c'est des messages. Le rock, c'est des messages, ouais. une position humaine et politique, toujours. 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 Ok. Alors, on continue. Dites-moi, parlez-moi un peu de Hizia 2004. Il n'y a pas eu de clip, par contre. C'était prévu, mais malheureusement, le projet n'a pas vu le jour. C'est une époque. Voilà. En fait. C'était une époque. C'est une époque. Mais heureusement, parce que c'est toujours d'actualité. Si un jour on peut filmer Hizia, on pourra le faire. Patrimoine, la femme encore. C'est le patrimoine, c'est la poésie populaire algérienne. C'est l'histoire d'amour propre de chez nous. Et puis c'est notre patrimoine. Pourquoi ne pas faire un clip? J'ai dit que c'était une époque. Une époque, pourquoi? Parce que par rapport aux moyens. Les moyens de l'époque et les moyens de maintenant, ce n'est pas la même chose. Maintenant, avec un téléphone, on peut faire un clip. À l'époque, il fallait... C'était compliqué. C'était très compliqué. Quand même, en 2004, il y avait quand même un peu de moyens. Maintenant, est-ce que c'est vraiment une histoire de budget? C'était cher, histoire d'équipe, oui. C'était cher. C'était cher. Et ça reste cher aujourd'hui? Moins cher. On s'autoproduit déjà. C'est déjà bien. On a appris beaucoup de choses, on a appris comment faire un clip, avec le temps on a beaucoup appris. Mais ça dépend ce qu'on veut. Mais des fois ça demande de la grosse industrie. Par rapport à le troisième clip, là quand même il faut mettre des moyens. Il faut mettre le paquet. Oui. Alors, Hakim Lajel, oui. Un petit extrait de Hizia. Oh là, Hizia. Oui. Hein. Attends, je peux pas. Juste pour rappeler aux téléspectateurs le son et la chanson. Enfin, Hizia, c'est une chanson qui a été interprétée par des grands chanteurs algériens, Abab Salah Rahmo, Deryassa et tant d'autres. Et nous, très modestement, on a essayé de donner vraiment une touche rock et soft. Notre sonorité, voilà. Et ça a donné... Pour info, je n'ai pas accepté de chanter cette chanson. Au départ. Ah oui. Ben, j'habite la région, donc je suis foutu.
Donc, j'étais, et c'était grâce à lui qu'il m'a dit non, tu vas la chanter. Tu vas. Donc c'est Hichem qui vous a poussé à ça. C'est Hichem qui nous a poussé. Moi au contraire, je lui tirais les bretelles. Ah, je me délâche. Ouais. Et finalement, ça a bien donné. Ouais, ça a bien donné. C'est elle qui nous a fait exister, on peut dire. On écoute un petit extrait. Ben oui. Ça marche très bien, pourtant, franchement. Ça fait longtemps qu'on lâche la voix. Hein. On ne la joue pas beaucoup, mais bon, c'est par rapport à vos prochains albums. Donc, on se met plus sur le. On essaie d'oublier les deux premiers pour ne pas rentrer dans le. Les... Cette routine. Une routine. Pour ne pas copier. C'est pour ça qu'on voulait un autre son. D'accord. Son, voilà. D'accord, très bien. Il y a aussi Sport Sport. J'aimerais revoir un petit extrait de Sport Sport, étant donné que je suis citifiée, donc j'aimerais bien revoir ça. C'est une chanson qui m'a marquée également. On regarde un petit extrait de Sport Sport pour nos très chers téléspectateurs, pour leur faire rappeler le groupe Zahir encore une fois. Ben, on a été tous bercés par le film, déjà. Ça, pour rendre hommage déjà au réalisateur de l'Arahmo, Abdelrahman Bougarmoua, et tous les grands artistes, les acteurs, les canofs dans le film. Mais surtout, moi j'ai toujours adoré cette chanson. C'est une chanson, et surtout le film, parce qu'il était très très sensible, le film. Ça nous a marqué. Ça nous a marqué, c'est pour ça qu'on a voulu faire le clip et prendre exactement. Des petits clins d'œil comme ça qu'on voit. Voilà, clin d'œil, oui. Pratiquement tout, on a changé un peu pour que la destination. Lui, il vendait dans le film, il vendait quoi Des ananas. Pour ramener sa sœur, Cécilia, au stade, lui acheter un fauteuil pour aller voir la finale de la Coupe d'Algérie. Mm-hmm. Et nous, c'est quoi Il vendait des pastèques ou pour ramener sa sœur, voir le groupe Zahir. Exact. Donc, voilà. Voilà. Enfin, en plus, c'est un grand classique, Kahla Oubaïda. On voulait rendre hommage à Ahmed Malik Lahrama aussi. Ah oui, que moi je suis un grand fan de ce compositeur. Ce grand compositeur. Vous aimez bien rendre hommage aux autres. Enfin, c'est la moindre des choses, parce que c'est des gens qui ont marqué notre culture. Mm-hmm. C'est-à-dire, ça ne vient pas de l'absolu. On a hérité plein de choses. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc la moindre des choses, c'est de leur rendre hommage.
Et on le fait ce soir aussi. Oui. À travers cette émission, toujours, playlist. Alors, playlist, mes amis, c'est aussi de la musique. On continue toujours dans la musique, mais on a cette playlist téléspectateurs. Donc, on leur propose de voter sur 5 chansons. On va leur proposer 5 titres. Ils seront obligés de choisir 3 titres sur les 5 et à eux de choisir leurs favoris à travers notre page Facebook de l'émission Playlist. Donc, sans plus tarder, jingle, playlist publique. Donc on commence avec la première chanson à Hakim et Hichem de notre playlist publique avec Youba Ajrad qui revient avec un nouveau look. Ah, carrément. Magnifique. Ah, moi je ne l'ai pas reconnu, franchement. Pourtant je connais très bien. Il s'est teint les cheveux avec les lunettes. Ah, carrément, c'est adapté à carrément au niveau international. Il a élevé un peu le niveau là, c'est-à-dire que maintenant c'est important de mettre en avant un aspect plus artistique, avoir un look pour se détacher. Actuellement c'est l'image, c'est l'artistique et c'est carrément l'image de l'artiste. Et pour carrément maintenir la concurrence. Aussi, également. Aussi, également, oui. Très très rude la concurrence actuellement. Oui, pour que... Même pour vous, groupe Zay. Ah non, non, je suis bien comme je suis. Je vais pas me faire des cheveux. Ils sont alors, bien. On regarde tout de suite la première chanson de la playlist publique Youba Ajrad, Dame Abrazo.
Yuba Jalad Dame Abrazo, donc voilà, un magnifique titre. Michel, Je découvre vraiment, il a fait un beau travail. Très beau boulot. Ah oui, carrément. Bon, moi, déjà avant, j'adorais sa voix. Il chante bien, c'est un bonhomme qui a du potentiel. Un enfant d'Alhan Wachabab. En plus, il fait beaucoup d'efforts. Yuba, vraiment, il avance, il évolue. Il travaille. On a eu de la chance de travailler avec lui, je crois. Oui. Zaire Collectif. Zaire Collectif, oui. Ouais. C'est-à-dire quoi, Zaire Collectif? Des fois, on lance des concepts artistiques. D'accord. Là, c'était à l'occasion de la fête nationale, de l'indépendance et de la jeunesse. On a repris les standards de notre patrimoine et chaque artiste, d'accord, on lui a donné... Mais ça a été fait sur scène. Voilà. D'accord, ok. Ouais. Donc c'est un partage, un moment de partage. Oui. D'échange. D'échange avec les artistes. Des guests, on invite des jeunes de la nouvelle génération, de l'ancienne génération. Yuba. Oui, Yuba. Il y avait plein d'artistes. Chimso à l'époque, Chimso Freiklan, il y avait petit Mohamed Tamash, dans le Shabi, plein d'artistes. J'ai oublié, la jeune fille qui chante bien avec Nayli. Je m'en rappelle. Sotani Sofiane, le chanteur qui chante Refi Ahmed. Plein. Il y avait plein. Il y avait plein. Bon. Juste pour partager la scène musicale, donner un nouveau son aussi. C'était en plein air. Encore un nouveau son. Donc, on continue avec la playlist publique. Je vous invite encore une fois à voter sur notre page Facebook de l'émission Playlist. Tout de suite, nous allons voir la Casa de la Mole avec Kenza Morsley.
Voilà Kenza Mosley, très très beau clip encore une fois, Kenza Mosley, Hichem Daou. Oui, très sympa. Alors Hakim Lajel m'avait confié qu'il ne connaissait pas la chanteuse. Je suis hâte, désolé. Donc on vous fait découvrir l'artiste. Je découvre, mais bon. Moi j'aime bien ce que j'ai vu maintenant, c'est qu'il y a une évolution par rapport au clip, par rapport aux sonorités, par rapport au look. Spanish, le son. Spanish, mm-hmm. Donc on sent qu'il y a un effort pour se vendre à l'extérieur. C'est très important. Aujourd'hui, c'est important. Concurrence oblige. Concurrence, il n'y a pas que de la concurrence, il y a une volonté. De bien faire, voilà. D'accord, ok. On continue toujours avec le troisième titre. Cette fois-ci, Cheb Bilal revient avec un titre Rihayin. Cheb Bilal, Rihayin, encore une fois, un nouveau titre, un nouveau clip très humain qui nous fait rappeler un peu le quotidien, la routine. Hakim. C'est Bilal. On ne peut pas... On peut dire autre chose, Bilal. Vous écoutez Bilal ? Non, je ne vais pas dire que je vais l'écouter quand je mets dans ma voiture, non. Je ne vais pas mentir, moi, mm-hmm. j'écoute pas pareil. Mm-hmm. Je suis rocker, je reste dans le rock. Par contre, j'aime bien le chabé parce que je reprends des trucs. D'accord. Vous en piquez quoi, c'est ouais, ça. D'accord. Alors Hichem ? Moi, j'écoute de tout, mais le rail, j'aime bien. J'aime bien le rail, j'aime bien écouter. Et Bilal fait partie de cet univers. Des gens que vous appréciez de... Oui. Bilal, enfin, les chanteurs de tendance, mm-hmm. les bons chanteurs de rail, j'aime bien. Même l'ancien rail. Mm-hmm. Oui, j'aime bien. Le groupe Zahir. D'accord, donc là, Hakim, oui. Vous êtes unanime sur ça en même temps. Oui, l'ancien rail, j'aime bien. Le prochain album, il va y avoir quand même une chanson de. Et j'essaie aussi de convaincre Hakim à chanter et de faire une reprise. D'accord, comme Shamsou, quoi. Alors, on continue avec le quatrième titre. Cette fois-ci, une chanson en lyrique. C'est l'ami Abatouche avec le titre Ça me touche, bien sûr, la playlist. Public, n'hésitez pas à voter. Merci. Mia Batouche, ça me touche, le quatrième titre de notre playlist public. Bien sûr, la Mia Batouche qui chante du rail et encore une fois une élève de... Alhan Ouachabeb. Alhan Ouachabeb. Très belle voix. Ouais. Oui. Elle a touché en plus. Hein. Ah oui. Ça me touche. Ça a touché. Très belle chanson. Une très très belle voix, exceptionnelle. La Mia Batouche. Oui, Alhan Ouachabeb, moi j'ai déjà comment ils ont eu... la chance d'avoir des bons musiciens mm-hmm. et de faire le Hanouchem, ça c'est important. Hein. Ouais, c'est très important le son. Oui, très important. Ça a commencé avec Mahdi Bachir Lahmo et on a eu Hassi Paramroche, Mami et tout le monde. Effectivement. Et là, c'est très grande école. Awamer et M. Dahan. Les chefs d'orchestre. Ils ont donné ces graines-là. Voilà. C'est grâce à eux aussi. Oui, c'est grâce à eux, oui. Très belle participation. Très bien. J'espère que ça continuera. On passe au dernier titre de notre playlist publique avec Jam et Jbala, Passer les frontières.
Les frontières, un titre magnifique sur l'amitié algéro-marocaine encore une fois. Donc cette fois-ci, moi ce que je vous propose, Hakim et Hichem, c'est de passer à votre playlist. Donc tout de suite, jingle, playlist de nos invités. On y va. J'adore mes jingles. Alors, très rythmé. Dites-moi, alors je vous ai demandé de choisir à chacun un titre, hein? D'accord, et on terminera avec un titre en commun. Alors le premier titre proposé par Hakim Lajel, bien sûr, une chanson de Toto. Ah oui. Ah magnifique. Oui. Toto, c'est, pour moi, c'est une école. Mm-hmm. On a appris, même la plupart des musiciens qui tournent ici, ils ont c'est un groupe des musiciens. Toto, c'est un groupe fait pour les musiciens. Et c'est les meilleurs musiciens de studio au monde. Mm-hmm. Ils ont enregistré avec Lionel Richie, avec mm-hmm. Michael Jackson, avec plein d'artistes de la West Coast américaine. Et voilà, donc ils sont présents partout depuis fin des années 70. Alors, vous n'avez pas choisi n'importe quel titre, vous avez choisi Africa. Ah ouais. Alors, attention, il y a un petit défi. Je vous mets au défi ce soir de chanter. De chanter. En live. La chose que je déteste, Toto. How you gonna look, c'est quoi? C'est chanter du karaoké. Mais pour une première, là, ça me dérange. On va le faire, on essaie. Écoutez, on va essayer de faire quelque Africa, chose. Africa, on y va? Oui. Allez, Africa tout de suite, dans Playlist, avec Hakim Lajel et... Mieux que toi, ça le blouse, hein, là. Elle l'a chanté. Ça n'a pas été facile. C'était magnifique. Tu nous as choisi. J'ai jamais fait du karaoké, c'est la première fois que j'ai été. Bah écoute, c'était une surprise. Je pense que tu as relevé le défi. Quel défi? C'est un carnage. Tu présentes. Excuse-moi, là, je suis en train de tutoyer Hakim. Vous allez nous présenter votre mea culpa aux téléspectateurs. Ah, ça n'a donc rien à voir avec Babigol. C'est bon, genre. Comme... Ah mais Babigol, ça aurait été plus facile. Ça aurait été plus facile. Alors voilà, c'était Toto, notre karaoké avec le choix de Hakim Lajel du groupe Zaïre. C'était magnifique. Petite partie. Ah c'était plaisir. Ça. Ah c'était ouais, extra. C'était mieux que David Paige ou Bobby Kimball, tout le monde. On a rigolé. Non, c'était sympa. Franchement, c'était compliqué, mais on l'a fait. Ah c'était super sympa. Oui, j'aime. La honte. Non, pas la honte.
Ah, normal. Non, non, je vous jure, c'était pas. Naudoua. J'avais un fou rire. Bon, sauf que dès qu'on sort, ça va être la pluie. Non, non, pas du tout, pas du tout. Ça s'est très bien passé. Allez, bon, on va passer à la deuxième chanson, au choix de Hichem. Oui. Alors, explique-nous un peu ton choix. Ah. Alors, c'est Riyad Kerbouz. Kerbouz. D'accord. Voilà, c'est un Algérien qui vit aux États-Unis. Oh, et là, je l'ai découvert à travers Hakim. Et là, je suis tombé sous le charme. Bon, je me suis dit vraiment comment il s'est intégré en matière de texte, musique et aussi interprétation. Quand on l'entend, on a l'impression qu'on est écouter un Indien ou carrément quelqu'un de là-bas. On le regarde ? Oui. On y va. I could turn my eyes away. And pretend there is nothing to fear. Hide among the shadows who leave her so selfishly. With a coward in my mirror, but that stranger ain't me. Still the darkness keeps closing in. Your grace remains amazing, your beauty all I see. I could join in with the millions who wish violence over peace. Choose words I'd never pick, in tongues them things dear one could speak. Late hatred fill my mirror, but that bastard in me. Still the clouds are moving in. Your grace remains amazing, your beauty all I see. Open highway, take me where you want to go. You might know. My feet here in your arms. Yes, I always have. My fortune dwells within you now. Open highway. Take me where you want to go. But if at last a thirst for revenge did overwhelm me. Crushed under so much sadness, who down here would dare blame me? There'd be a ghost in my mirror, and that anger cannot win. I hear hungry wolves closing in. Your grace remains amazing, your beauty all I see. Retenez bien son nom, Riyad Kerbouz, le choix de Hichem Daou ce soir, un bon choix de la country. Oui, rendre hommage aussi à notre communauté, à notre diaspora. Ça veut dire que c'est des gens qui ont carrément réussi leur carrière à l'étranger. Voilà. Alors, vous me disiez tout à l'heure, en aparté, qu'il était né à Saint-Eugène, qu'il a grandi ici. Oui, notre quartier, le quartier de Bolorine. Très belle réussite. Oui, vraiment. Il moi, a bien je, viens, évolué, je découvre qu'il est né à Saint-Eugène. Moi, j'ai fait ma petite recherche par rapport aux quelques radios étrangères. J'ai découvert ce nom dans une chaîne de radio française. J'ai écouté son interview. Après, c'était bon, c'est Facebook et tout, tralala. Après, j'ai eu un petit contact. Bonjour, merci, au revoir, car regarde, et voilà. Et là, j'ai découvert que c'est un bonhomme qui vit aux États-Unis, qui chante, qui a fait plusieurs albums, qui a gagné un Grammy Award par rapport à la musique de film. Très bien réussi. Avec Christopher Cross et compagnie. Riyad Kerbouz. Riyad Kerbouz. C'est ce voilà, que, moi, ce que j'aime bien, moi, c'est de garder son nom. Riyad Kerbouz. C'est pas un John Robert ou quelque chose comme ça. Non, non. C'est ça, c'est bien. Mais on dirait un Indien. Oui, il a le look, d'un Indien. Ouais. Franchement, magnifique. Alors, on passe tout de suite au titre que vous avez choisi en commun. D'accord. Marie Lyon. Ouais.
Oui, qui commence, Hakim, Hichem? Oui, moi, enfin Hakim, parce que j'ai découvert aussi le groupe à Hakim. Travers... Marina, c'est un groupe écossais, c'est un groupe écossais qui m'a vraiment marqué pendant les années 80, et qui sont toujours à la page. Hein. Et après une rupture, il y avait un premier chanteur qui s'appelait Fish. En 89, il est parti, donc il fallait que ramener un autre chanteur. Et sauf que Fish, c'était un charisme, il était là. Compliqué. Les fans n'ont pas accepté qu'il parte. Donc, merci. Ils ont ramené Steve Hogarth. Pour l'accepter, c'était cette chanson qui les a sauvés, qui a sauvé le groupe. D'accord, donc c'est Easter, c'est ça. C'était en 1990. 90. On regarde, voilà. On y va. L'album Season End, exact. Easter, le groupe Marillion proposé par Hakim et Hichem. Très beau choix, encore une fois. Ah. On passe à une autre partie nostalgique de votre vie. Hein? Oui, c'est d'accord. Bon, donc, on a une partie dans playlist. La playlist nostalgie, tout de suite le jingle. Alors voilà, on continue, playlist continue, bien sûr, n'oubliez pas de voter pour la playlist publique avec les 5 chansons proposées au début de l'émission. Alors, nostalgie, on va revenir à Hakim et Hichem sur Cheb Anwar. Oh, oui. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ah, ouais. On regarde direct ? Oui. On apprécie ? On regarde.
Voilà, chez Banoir, ça nous fait remonter en arrière à une période de nostalgie. Belle nostalgie. Ça vous fait rappeler des souvenirs? Ah oui, bien sûr, c'est notre... jeunesse. Ouais. Jeudi soir à 21h30, Blade Music, pour voir le classement. Blade Music, oui. C'était des clips, c'était exceptionnel. C'est magnifique, hein. C'était alors, une prod. Alors, qui dit Anwar, dit Rachid Eftay. Voilà, les oncles qui ont poussé leurs neveux à évoluer dans ce domaine-là. Pas que, oui. Ouais. Plusieurs artistes. Hein, de... il y avait, en fait, il y avait Tahraoui, Fadela. Il y avait deux, Rachid Eftay, dans l'Oranais. Et il y en a sur Alger, c'était les frères Toki. Bien sûr. Et donc, c'est une industrie. La West Coast, la East Coast, qui m'a dit. Mais les Bab Ahmed, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Ouais. C'était le premier Rainaray, c'était chez eux. Avec eux. Ouais. Et pourtant, hein, ils n'étaient pas voués pour la production et l'édition. C'était, non, c'était au venu, début, c'est venu comme ça. Ils ont commencé à s'autoproduire. Après, ils ont produit d'autres artistes. Et ça a donné. Ça a donné plusieurs productions, plusieurs artistes. Surtout dans l'Oranais, du côté de Tlemcen, c'est des Belabas, Ouahran. Du côté de l'ouest du pays, c'était beaucoup plus ça. Oui, voilà. Exactement. Mais on se rappelle de Rachid Eftay avec Rachid qui est en tenue à chaque fois, avec sa veste militaire, sa casquette. Oui. C'était impressionnant en même temps. Impressionnant, mais c'était des musiciens qui ont pu donner une sonorité qui a pu s'exporter à l'étranger. C'est bien ça, c'est bien moi. J'aimerais bien que ça... Ça se refait, mais avec cette nouvelle technologie. Alors, Rachid Layarhmou avait créé à ses débuts, son petit groupe de musiciens. Ouais. Il était lycéen, voilà, et il crée les groupes Les Vautours. Alors, en début 70, c'est à ce moment-là où il rejoint son frère, Fethi, il crée un duo. Et ils ont leur maison d'édition. Ils décident juste après de se lancer dans la production. Oui. Exactement. Et c'est les éditions Rally, contrairement à ce qu'on pense. C'est pas Rachid Eftay, on retient le nom de Rachid Eftay, mais en réalité, l'édition, c'était les éditions Rally parce que les deux frères étaient fans de courses automobiles. Ah, d'accord. Voilà, de courses automobiles. Donc les éditions, c'est les éditions Rally. Là, il y a Rachid Babaji. Donc on continue, mes amis. Bien sûr. On passe à quoi? Je sais pas, qu'est-ce à des coups de cœur. Les coups de surprise, là. Les coups de cœur, on y va. Voilà, matin, le karaoké, coup de cœur. Alors, jingle, coup de cœur. Et notre coup de cœur dans playlist ce soir, une chanteuse tunisienne, Shirin Lajmi, qui reprend un titre du répertoire sétifien. Allez, Chelloum, les amis, on regarde ensemble. Ah oui, viens-moi. On y va. Je découvre.
Notre coup de cœur, Chérine Ladjmi, qui reprend une très belle chanson du patrimoine sétifien algérien. Hakim? Je confirme, bien fait, magnifique. On a un patrimoine très riche. Est-ce que vous connaissiez la chanson? Moi, je connais l'ancienne chanson. Quoi. D'accord. Elle a été chantée par plus tout rythmée. Le monde. Plus rythmée, chantée par tout le monde. Je crois même Thelja. Mm-hmm. Et là, c'est une autre version. Très, très triste, mais j'aime bien l'arrangement musical. Très bien fait. Ouais. Ça prouve que notre patrimoine peut être exporté. Il est très bien exporté. Ah oui, ah oui. Très, très belle reprise. Alors, Hakim, Hichem, on poursuit l'émission. Bien sûr. D'accord. On passe tout de suite à un rappel des chansons pour lesquelles vous pouvez voter dès maintenant sur notre page Facebook de l'émission Playlist. Un petit rappel de la playlist publique. On y va. La playlist des téléspectateurs avec 3 titres sur 5 pour lesquels vous pouvez voter dès maintenant sur notre page Facebook de l'émission Playlist. On commence avec le premier titre, celui de Yuba Ajrad. Et enfin, on termine avec Jam et Jbara dans Passer les frontières. Donc voilà, n'oubliez pas de voter sur notre page Facebook pour vos chansons, vos 3 chansons préférées. Et on sera un plaisir de vous diffuser ces chansons dans la prochaine émission. Alors, Hakim, Hichem, promotion oblige, Hadir Kaya. Alors, la réalisation, qui a réalisé le clip? C'est moi qui a réalisé. Hichem Daou. Voilà. Alors, première expérience? Oui, première expérience. C'était un défi. Et voilà, avec peu de moyens, alhamdoulilah, on a pu faire sortir un petit produit, un petit produit propre à... Voilà, c'est vous qui avez produit, donc il faut préciser ça. C'est vous qui avez produit... Exactement. Oui. D'accord. Voilà, c'est, vous une avez première, c'est une nouvelle expérience. Mm-hmm. Donc à partir de là, on essaie d'élargir et de travailler dans d'autres projets, Inch'Allah. D'accord, ok. Alors, l'écriture, on en a parlé. La composition aussi. Oui. D'accord. Karaoké par là, c'est Est-ce bon. Est-ce qu'on peut parler du groupe, voilà, on a l'image, la photo de votre groupe. Ah, ok. On va parler du groupe. Alors, votre groupe. Alors, c'est la formation actuelle. Mm-hmm. Bien sûr, il y a Hakim, à côté il y a Mehdi, mm-hmm. frère à la guitare. Il y a aussi notre frère et ami Dada, okay. qui est actuellement en France. Et Walid à la basse. Et là, il y a un invité. Du groupe Jeans. Du groupe Jeans à Oran. C'était durant le spectacle, notre spectacle à Oran. Il y a moi, en plus, à côté, il y a Hassan, notre batteur. Donc voilà, il y a un Hassan roulement. Tout à l'heure, on parlait de jeunesse. Je sais qu'il y a les enfants aussi de Hakim qui prennent de temps en Islam, temps. Oui, voilà. il y a Islam. Voilà. Qui est remplaçant de temps en temps de Hassan. De Hassan. C'est notre batteur, Islam. Mm-hmm. C'est le deuxième batteur. Et donc c'est la relève. C'est la relève. Et prochainement, il y aura Amin, le fils de Hakim. Le deuxième. Voilà, à la guitare. À la guitare. Inch'Allah. Donc c'est essentiel de lancer aujourd'hui ces enfants. Ils aiment ça. Est-ce qu'ils sont passionnés par ça comme leur père? J'adore ça. Déjà, ils vont me taper par rapport à la chanson. Là, c'est et logo. Là, on parle. Voilà, il y a le réalisateur qui réagit et qui me dit voilà, le logo travaillé, oui, retravaillé par Walid. Par Walid. Oui, il a fait un excellent travail. Il y a le visage d'une femme à l'intérieur de la lettre D de Zahir. Pour rappeler toujours que Zahir, c'est le prénom de la première femme martyre algérienne. Tout qui est Cheikh Zahir de Sogara, Sarbi Rahma. Alors, dites-moi, maintenant, on parle de l'album, futur album, prochain. Oui, notre album, bientôt, il est à 90%. Il est pratiquement prêt. Il y a combien de titres? En fait, il y a 9 à 10 titres. On hésite sur le dernier titre, si on le finit ou non. Mm-hmm. Peut-être on va le laisser pour l'un, mais sinon c'est 9 qui sont prêtes. Et il y a 9 titres qui sont prêts. Mm-hmm. L'album, ce dernier album, qui est différent par rapport aux autres, c'est une nouvelle
C'est-à-dire approche, nouvelle approche, c'est par rapport, même par rapport au texte, on a changé. Là, il y a plus d'espoir, il y a plus de, c'est-à-dire aller vers l'avant, pas chanter de l'amour, chanter de l'espoir, chanter de la vie. Khlas, ce qui est passé, c'est trop tard. D'accord. Ça, on en laisse ça derrière. Un message d'espoir. Un message d'espoir. À travers ce nouvel album. Voilà, travailler. Prévu pour quand? Bah, prévu pour le. Incessamment. Ah bah oui, prochainement. Incessamment. Avec les 20 ans. Avec les 20 ans. Ouais, c'est la célébration. C'est la célébration. Oui, et en même temps, ouais, la sortie de l'album. C'est une idée. En même temps. Celebration. Ce serait. Ah, ouais. Celebration. Cool and the gang. Alors, vous allez l'appeler comment, cet album? Moi, j'aimerais. Alors, toujours le groupe. A choisi un prénom d'une femme. Le premier album, c'est Sarah. Le deuxième album, c'est Hezia. Des prénoms de femmes. Voilà, prénoms de femmes. Moi, je serais bien. Je suis d'accord pour Nti. Nti. La chanson, parce qu'il y a le coup de cœur aussi de la dans l'album, c'est la chanson Nti. Nti. Coup de cœur, voilà, Nti. Peut-être, ça sera le. Moi, j'aimerais toi. Bien. D'accord. Toi. Mais c'est toujours en arabe. C'est en arabe, en algérien, c'est Nti. Nti. On aimerait Nti. Bien que le titre soit écrit en arabe. Ah, d'accord. Voilà. En même temps. Oui, Nti. D'accord. On aura la pochette. On aura. Bien sûr, vous aurez la pochette et vous aurez le prochain clip, c'est Nti. Voilà. Nti. Et après, il va y avoir un troisième. Donc, c'est là, pour préciser, c'est que vous allez lancer pour l'instant le prochain single, c'est Nti. Et ensuite. C'est la tendance actuellement. Rarement, on sort des albums. Mm-hmm. C'est toujours, actuellement, c'est des single clip, parce que le visuel et l'image qui marchent, et surtout, c'est sur les plateformes digitales. C'est une nouvelle manière de produire et de promouvoir l'art. D'accord. Donc, prochain single, Nti. Prochain c'est single, c'est Nti. C'est une reprise. Un autre? L'autre titre, c'est une reprise du patrimoine. D'accord, ok. Voilà. Encore du patrimoine? Oui. Revisité à la manière d'Zer. Très bien. Oui. Rock, balade? Toujours dans le registre rock, balade, mais rock c'est, c'est une chanson shabby. Rock soft. Une chanson shabby. On vous attend. Ah oui. Vous allez revenir dans Playlist. Mais en attendant, on va se regarder encore une fois un petit extrait de Kadir Kaya. Ah oui. On y va. Kadir Kaya, le dernier single du groupe Zayel, présent sur le plateau de Playlist. Ça a été un plaisir de vous recevoir dans cette émission. On arrive déjà à la fin. Ben, je ne veux pas partir. Ben, vous pouvez rester, on reste là. Voilà, l'émission a été enregistrée à partir du Studio 2 avec l'équipe technique. Donc je les salue, les cadreurs, le réalisateur... Notre réalisateur, Nabil Trivage, notre script, Hassiba Hasnaoui. Un dernier mot, mes amis, Hakim. Un dernier mot, je vous dis déjà merci. Merci à vous, invité. Ça a été un honneur. Merci pour le karaoké. Aussi. Que je vais avoir on va s'en rappeler. C'est pour rire. Et longue vie à l'émission. Oui. Ah, c'est gentil. Voilà, bonne chance. Je croise les doigts. Vous avez inauguré l'émission, j'espère que ça va nous porter chance. Et vous m'avez dit qu'à chaque fois que vous passez dans une émission,
ça porte chance. Oui. La prochaine fois, on ramène toute l'armada, on ramène tout le groupe. On vous fait du live ici. Voilà. Alors, on me dit, j'ai oublié quelqu'un. Hey, Mohamed Stoul, bien sûr, qu'on salue, notre directeur photo. Hi Stoul, merci beaucoup. Donc, on va saluer nos téléspectateurs, on leur dit au revoir. Merci. N'oubliez pas surtout de voter pour la playlist publique sur notre page Facebook.